Aujourd'hui, on a notre course de fond 5 à 8 pour plusieurs écoles. On a une 12-13 écoles ici, environ 600-700 jeunes qui participent. C'est une journée idéale à Beauchamp. Les élèves sont super contents. Tu l'entends par les cris, les sourires. Ils se rencontrent des nouveaux amis. Ils encouragent les autres dans la course. Et puis, c'est juste un temps de s'amuser en français, dehors et à l'extérieur. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu le faire. Ça, c'est vraiment un événement incroyable. Aujourd'hui, les jeunes sont vraiment, vraiment contents ici. Vous ne le voyez pas? Vous n'entendez pas les cris? Bien sûr. Ils sont de la nature. Ils ont du fun. Ils ont du plaisir. C'était bon d'être dehors puis faire une activité qu'on n'a pas faite dans 3 ans. J'ai vraiment aimé ça d'applaudir pour mes cousins et mes cousines et de voir mes autres amis de d'autres écoles et de les applaudir pour eux. C'était vraiment fun. Mais c'est vraiment amusant parce qu'on n'a pas pu le faire depuis longtemps, presque 2 ans. Puis on a pu jouer avec toutes les autres écoles et des autres niveaux. C'est bon de se retrouver avec des personnes des autres écoles parce que ça fait longtemps depuis qu'on a fait ça. C'est fun d'être avec d'autres personnes pour que tu peux comme, peut-être faire des nouveaux amis de ton école que tu vois pas trop, comme de l'autre école. Oui, c'est vraiment amusant de faire avec toute la communauté de DSFM. J'aime vraiment courir avec mes amis, c'est très, très encourageant. Fantastique parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, comme je dis, ça fait 2 ans que nos élèves ne sont pas vus. Puis là, ils ont la chance souvent, il y a de la parenté, des amis de d'autres écoles. Ils peuvent se voir dehors, ils peuvent jouer dehors. Il y en a qui jouent du volleyball sur le côté, il y en a qui jouent du soccer, du football pendant qu'ils attendent pour leur course. Ça, c'est un grand mélange de beaucoup d'amitié, puis ça se déroule en français. Puis ça qu'on est plus fiers, c'est que ça nous donne la chance de réunir nos élèves ensemble, faire des activités de la DSFM. C'est fun et on pourra aussi comme rencontrer des nouvelles gens et se connecter. Je, d'habitude, reste avec mes amis parce que je suis pas si extrovertie à faire ça. Mais si je retrouve une personne que je connais depuis plus ou moins longtemps, je vais aller lui dire allô. Alors, yeah, c'est fun de se retrouver. C'était très fun de retrouver des gens qu'on aime et que j'apprécie beaucoup. Ils sont contents de participer, ils sont heureux, ils sont fiers. Et les gagnants sont vraiment courageux, sont fiers, ils démontrent leur prouesse. Ils sont vraiment contents de les présenter à leurs enseignants et nous sommes fiers d'eux. C'était vraiment épuisant et c'était vraiment dur à respirer vers la fin. C'était pas mal épuisant vers la fin, mais qu'est-ce qui m'a vraiment encouragée, c'était comme vers la fin, tout le monde nous comme, disait « bravo, go, go, go ». La course s'est bien passée. C'est vraiment dur au début parce que tu cours comme jusqu'en bas et là, à la fin, comme tu dois vraiment courir vraiment vite parce que tu essaies d'aller en avant de tout le monde. C'était très amusant puis on a couru vraiment vite et fort et puis on a eu beaucoup de temps amusant avec les autres écoles. Bien, je trouve que c'est fantastique. Pour la DSFM, c'est fantastique que les jeunes ont l'occasion de rencontrer d'autres jeunes, d'autres francophones, jaser avec eux, voir qu'on est une grande francophonie, une famille ensemble. Donc, c'est fantastique. Et juste voir leurs amis, comme j'ai dit auparavant, c'est fantastique de voir des amis, des cousins, des cousines, d'autres enseignants, des anciens enseignants. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des anciens élèves qui sont maintenant des enseignants. Donc, c'est vraiment formidable. Juste la famille, la francophonie revient ensemble et toute une grande famille.